Bonjour la banane. Hey, banane. On va s'occuper de Bucky parce que je vous cache pas que l'état des bateaux ici. Ça va très très vite. C'est une horreur. C'est un verdi. Je suis passée avec une lingette sur le pont. Le mât avait verdi déjà. Ouais, ça verdit, puis ça noircit, puis ça pourrit. Donc il faut s'en occuper tous les jours. Je suis bien content de ne plus avoir un bateau en bois parce que. Ah, ici c'est une catastrophe. On a même des. Comment s'appelle, qui sont rentrés dans les il y a petits une, bois. Il y a une tamie qui a essayé de rentrer dans le bois à l'extérieur, soit de l'acacia, mais il n'a pas aimé, il s'est ressorti. Mais ça a essayé de rentrer quand même, quoi. Ça a fait un trou. Oui. Donc, non. Là, nous, donc, on va s'occuper de la coque de Blacky. Sur l'extérieur, on va nettoyer au Javel, comme en Malaisie. Jacouille, elle m'appelle, elle crie. Elle dit, bébé, viens voir. Puis je la vois qu'elle s'allonge sur le dos comme ça, avec une lampe, et elle me montre son nombril. Et dans son nombril, je vous jure que c'est vrai. J'ai pas filmé parce que ça. Je suis vite intervenu. Hein. Docteur Ross, ouais, je vous savez ce qu'elle avait? Allez, je vous laisse 4 secondes pour deviner ce qu'elle avait dans le nombril. Un tic. Un tic énorme. Putain, j'ai vite été chercher l'alcool. J'ai endormi, j'ai tiré avec la pince à épiler et j'avais peur que la tête reste dans le nombril. J'ai flippé parce qu'il y a une maladie à cause de ces putains de saloperies tiques. Allez, on commence un peu à en avoir marre. Des fois on est bien, on se dit allez, on est en Guyane et tout, mais il y a des trucs un peu chelous ici. Ici il y a un rhum qui s'appelle la Belle Cabresse. Rhum. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ben, rhum. Vous avez vu? Je crois que j'en ai déjà parlé une ou deux fois, je sais plus en trop. Un cubique carrément. Alors attention, il faut boire modérément et non pas comme la Japouille. Hein. Comme une petite soène. L'alcool est dangereux pour la santé des bananes. Donc on va faire des rhums arrangés du coup parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus et c'est un petit plaisir de se faire ce petit breuvage des dieux à bord du bateau. Et là Jacouille va faire un rhum arrangé. Alors ça c'est une recette d'un banana qu'il nous a donné. Il nous a dit que c'était super bon. Alors il m'avait dit de faire dans un gros pot pour mettre l'orange en entier mais j'en ai pas. Donc je coupe en quartier et après on va mettre des morceaux de café, des grains de café dedans. Et apparemment c'est super bon, orange café, donc on va voir ce que ça va donner. Après on va faire un rhum pomme cannelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vanille gingembre. Deux grains de café, mais du coup, je crois qu'il y en a assez, non? Donc on va rajouter du sucre. Bon. Le plus important. Ouais, le plus important, regardez. Regardez comme c'est beau. T'as des gousses de vanille? Au lac, comment il s'appelle ce lac? C'est un lac. C'est un lac. Et on vient de manger une choucroute, c'était ouais. Trop bon. Donc on est en train de frauder avec une balingue guyanaise. C'est ça. Pour entrer dans un lac que personne ne connaît. On n'a pas découpé le portail. Ouais. Vas-y, déjà, elle a pas eu sa claquette. On se prend pour des aventuriers, mais. Bah attends, vous avez vu les vidéos que vous faites? Vous êtes des aventuriers, moi je suis désolé. Hein. Ouais. Quand on fait des vidéos comme ça, après, faut y aller quoi. Voilà. Alors, tout dépend comment tu filmes et ce que tu dis. Bah, tu vois, là, je pourrais très bien dire la Jacouille, t'es à la recherche du caïman qui a battu avec ses dents. Ouais, bah voilà. Vas-y. Ça fait pas mal, ça va marcher. Ça dépend comment tu expliques la chose. Là, tu peux envoyer les pieds, tu fais attention. Pourquoi t'as pris tes claquettes? Princesse, oui. Pourquoi t'as pris tes claquettes au Cendrillon? Alors capitaine, on se baigne dans un lac en Guyane. Putain, je me suis fait attaquer par un truc. J'ai un truc qui m'a touché le dos. Il y a des caïmans dans le coin? Il peut y avoir. Un lac qui paye de fortune pour se bouffer des peaux mortes dans une institut. Et là, dans une carrière, c'est gratuit. Du Gewürz d'Alsace dans une bouteille de. Ils ont bu les verres. Voilà. Les balingues guyanaises, il faut tout leur apprendre. C'est ça. Mais lui là-bas dessus. Choufti se fait chose. Attaquer par des poissons. C'est quoi? C'est un barracuda, non? Non, je crois pas là. On va sauter de là et on aura notre diplôme de MyCorn de chez Wish. Bébé, y'a rien qui t'oblige, je t'aime quand même, t'es pas obligé, hein? Oui, mais t'es pas obligé, mon chat!
Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, tu peux tomber droit, mais tu risques pas grand-chose à part une bonne fessée de maman. Moi, bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Ah, mon bébé, je t'aime. Fais pas ça. T'es sûr? C'est comme tu veux, hein, t'es pas obligé. Ah, c'est... Faut pas réfléchir, une fois que t'es envoyé, tu pourras plus rien faire. T'es mon capitaine, bébé, bébé, tu fais attention, mais il faut pas passer loin parce qu'il y a des rochers là. Non, mais même si tu vas tout près, ça risque rien. Ta tête, faut pas taper ta tête, hein. Non, mais t'as vu, juste un petit pas en avant, t'es même pas obligé de pousser loin. Juste un petit pas en avant. Mais c'est pour ça que t'es pas obligé. Déconne, allez, vas-y. Réfléchis pas, blam blam boum. Je suis vivant. Mon bébé. Mon bébé. Je t'aime. Moi, j'ai plongé de là. Comme ça. Est-ce que vous remarquez qu'on a du ciel bleu? C'est quand même dans ces moments-là où on se dit, on est en claquette. Avec notre bite, on n'a même pas de couteau. On a vraiment une drôle de vie. On est parti sur un bateau, on est en train de marcher dans une carrière qui est privée. Quoi. Et je me fais défoncer par les mouches. Ouais, je sais pas pourquoi. L'autre jour, elle avait un tic dans le nombril et là, elle a des fourmis dans le cul. Moi, je vous dis que je trouve ça vachement beau, en fait, quand la nature reprend ses droits. Ouais. Voilà. L'homme a empiété au plein cœur de cette forêt amazonienne. Et on a toujours remarqué quand même que c'est là où tout n'est pas perdu. Ouais, bon, c'est ça que j'aime pas, c'est que la nature reprend ses droits, mais on voit que l'être humain est passé par là. Il y a du gasoil partout. Non. Allez, j'ai la couille. Qu'est-ce qu'il est fou celui-là. Allez, attends, on va juste l'aider un tout petit peu. Et puis il y aura des serpents là-dedans en plus. Hein. Un caïman ou un crocodile. Arrête. Putain, une balle de fusil. Putain, il tire à vue. Une balle de fusil. Et c'est la première fois que je monte sur une machine industrielle. Là, je veux pas sauter. Hein. Bon, les bananes, aujourd'hui, je vous explique un peu l'application Encore. Qu'est-ce que c'est Encore? Encore est une application payante qui n'était pas très chère à l'époque. Je sais pas combien elle est maintenant. Elle était à 4,99$, je crois. C'est une application d'alarme de mouillage. Ici en Guyane, ça chasse assez pas mal et on n'a pas l'esprit trop tranquille quand on quitte le bateau. Et je savais qu'il y avait le paramètre à distance, le suivi à distance sur l'application Encore. Pour cela, il fallait deux cartes SIM. Nous avons un forfait SFR et autre chose, nous avons une carte SIM Wizy. Wizy en Guyane, ça marche aux Martinique, ça marche en Guadeloupe, ça marche Saint-Barthélemy, ça marche à Saint-Martin et c'est 7€ les 50 gigas. Avec une heure d'appel illimité, vous faites tout sur internet. Donc on en a profité, on l'a pris nous ici en Guyane. Et du coup, on va tester aujourd'hui le suivi à distance de Black Lion grâce à l'application Encore. Donc, comment suivre notre bateau à distance au mouillage? Un émetteur qui sera pour nous le iPad Pro. Le iPad Pro reste à bord de Black Lion. Le récepteur, nous partons faire les courses, ça sera donc le téléphone. Deux cartes SIM. Carte SIM, données data réseau sur le iPad. Une carte SIM également sur le téléphone. Émetteur, récepteur. Vous téléchargez l'application Encore sur les deux appareils. Vous ouvrez Encore, Encore. Ensuite, en bas, vous avez réglage, l'onglet
sur le iPad. Vous cliquez dessus, réglage. Réglage également sur le téléphone, réglage. Et on va aller sur paramétrer le suivi à distance. Donc pour l'instant, il est désactivé. Nous allons émettre toutes les 2 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes. C'est vous qui choisissez. Nous allons mettre un mot de passe qui sera banana. Au hasard, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Banana. Sur le récepteur, vous allez également sur paramétrer le suivi à distance. On va recevoir et on va écrire le mot de passe banana. Je vais inviter un appareil maintenant à suivre notre position sur le bateau. Donc, ça sera le téléphone. J'invite un appareil. C'est iOS, c'est iPad, c'est Apple. Je peux demander une invitation par AirDrop. AirDrop. Accepter iPhone de Black Lion. J'accepte. OK. Nous avons envoyé une invitation donc au téléphone. Voyez, il reçoit le message. Supervise iPad de Magali. Maintenant, vous allez dire, je n'ai pas le périmètre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est envoyer le périmètre d'alarme. Toujours par AirDrop. iPhone de Black Lion, je l'accepte et voilà. À partir de maintenant, je supervise mon bateau de n'importe où. Vous voyez, supervise iPad de Magali. Donc c'était aussi simple que ça. Là, nous sommes sur le bateau, nous avons notre périmètre d'alarme et là, nous avons le téléphone avec lequel nous allons pouvoir partir faire les courses tranquillement et avoir l'esprit tranquille. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que imaginez, vous êtes à 30 km de là. Évidemment, moi, ce que j'ai fait, j'étais content, j'ai regardé mon téléphone, on était en course et tout, je regardais, j'ai dit, oh, bah tiens, Black Lion il est là, Black Lion il est là, Black Lion il est là. Mais imaginez que vous êtes en pleine course et que l'alarme se met à sonner. Alors, bien sûr, c'est la panique. L'avantage de cette application, c'est que voilà, vous pouvez toujours téléphoner à un ami, à un voisin de mouillage en disant, tu peux surveiller mon bateau, je crois qu'il est parti. Là, moi, ça me plaît beaucoup, là, ce genre d'application. Ça permet d'avoir quand même un œil sur le bateau de loin. J'espère que ce tuto vous rendra service également, comme moi, il m'a rendu service. Merci, madame. Merci, monsieur. On n'en peut plus. Racasser les bananes. Oh, putain, on est invité là, chez Claudio, l'Amérindien. On va remonter la rivière, mais il y a un courant de malade. Jacouille a fait plus d'une fois demi-tour. J'en pouvais plus, je me suis fait dans les branches, dans les épines. Oh putain. Regardez les pieds noirs de la Jacouille. Vas-y. Avec celui-là. Oui, avec ça c'est l'Europe. Et ça s'appelle Tolori. Et ça c'est le fruit, déjà ça change, c'est le fruit de Boussou. Boussou. L'arbre de Tolori, elle ne s'appelle pas arbre de Tolori, elle s'appelle arbre de Boussouzero. Parce qu'elle donne de Boussou. D'accord. Et là-dedans, il y a de l'eau potable. Oui, c'est cette eau. Et quand on va avec papa à la forêt, on ramène comme ça, 30 et nous attache là. Le Boiti. Boiti. Après, il y a 4 en bas et 4 ici. D'accord. La carapace, elle est là. Quand elle tombe, la carapace casse. Okay. Et oui, c'est là qu'elle sort. Et ça se mange, ça? Oui, c'est pour le mosquito. Ça, c'est l'huile pour éviter que les tiques, tout ça. Oui, mais oui, ça, c'est carapace. Ça, c'est le mot. Alors, ça, c'est de la résine qui est récupérée sur les troncs d'arbres. Et voilà ce que ça donne, ça sert à faire brûler, il répare des bateaux avec et puis ça fait partir les moustiques. L'huile de copaïbe. Il dit que c'est guéri, ça cicatrise. C'est un cicatrisant. C'est le lait d'alarme. Qui s'appelle le MAPA, de la région d'Amapa. Et ça soigne de l'asthme. Mastrouche. Et donc là, c'est pour faire des colliers, des longs colliers. Après que les pétures sont prêtes, je remets sur le corps. Il y a la ceinture aussi, c'est du bambou. Du bambou? Oui.
free man in a free land. Haven't always been this way. It's been a long ride to the other side. Not much more to say. Pocahontas et Tarzan. Et là, Madjen. Uchita, c'est toi qui décides. Jaina. I'm a free man. I'm a free man. Oh, I'm a free man. Yeah, I'm a free man. Par deux bananes guyanaises, Bruno et Laurence. Ils nous suivent sur YouTube depuis un petit bout de temps et nous font découvrir encore la Guyane avec les moustiques, les insectes. Hein? Avec leur nouveau joujou. Et en fait, comme vous tous, là, comme nombreux, ils ont le rêve de partir en bateau, en catamaran, à la voile, autour du monde. Pour commencer. Plus c'est affinité. I'm a free man. I'm a free man. I'm a free man. I'm a free man. I think this is the best place on earth. Home of the free and brave. Brothers living tough just to be here, but sometimes treated like a slave. Only in my life not much has changed. I don't feel these civil rights. Fine words and speeches don't feed or clothe me on those cold and hungry nights. But I'm a free man. Oh, I'm a free man. I'm a free man. I'm a free accueillis comme des fous. Comme des rois. Comme des rois. Aroua. Aroua, c'est le pays des rois. Et nous allons partir sur des grades de canne, faire le plein d'eau à boire. Oui. Et nous allons faire prendre l'air à Blacky, aux îles du Salut. Un peu d'air salin parce que c'est tellement humide. Et pour vous dire, regardez. Regardez un peu. On se demande comment il a fait pour arriver à bord du bateau. C'est du délire. Ça ne s'invente pas. Bonne fête à toutes les mamans. Pour l'occasion, nous sommes à l'Île-et-la-Mer. Ah bah oui, c'est vrai. Nous sommes arrivés aujourd'hui à l'Île-et-la-Mer, à 7000 de dégrade de canne. Nous sommes partis ce matin, le sondeur déconne. Il déconne à fond. Et dès que je prends un peu de vitesse, dès que je dépasse les deux nœuds, il ne capte plus l'écho du fond et me renvoie des mauvaises informations. Donc c'était un peu chaud, on a un peu serré les fesses. Mais maintenant on est au mouillage. Et bah il pleut, évidemment. Évidemment. J'allais pas vous poser la question, savoir ce qu'il va faire. Donc voilà, c'est l'îlot qui est là-bas. L'île et la mer. À l'intérieur de ce petit îlot, il y a des petits singes, des petits saïmiris, qui viennent voir les touristes. Donc on va aller voir ça quand il pleuvra plus. Donc c'est-à-dire peut-être l'année prochaine.